Yo les gens, 5ème aujourd'hui vidéo, résumé de la Coupe 98, bah le match voilà. Là on a su, on joue contre qui? On joue contre la Croatie qui nous fait 2-1-1 contre l'Angleterre hier soir. Aussi ouais, j'ai mis plus que mercredi que je prends la vidéo jeudi, voilà. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Si, bah voilà. La Coupe du Monde 98, c'est une vidéo que j'ai reprise d'un mec, bien évidemment. Ah oui, le fait de se recouvrir de nourriture est un fétiche, bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Il y a eu deux buts de Zidane, voilà, et deux buts et un but de Emmanuel Petit. Comme aussi, il y a eu un carton, il y a eu un carton rouge. Là, je vois, je pense que en vrai, vous voulez la vidéo. Il y a eu un carton, mais quand ils ont quand même gagné, grâce à aussi. Le dernier but, c'est Amener le Petit qui l'a mis à la dernière minute. Bon, enfin, bref, voilà. Moi, je vous laisse un bon nuage pour le reste. Allez, à tout à l'heure. Le pays tout entier est en train de vivre un moment capital de son histoire sportive. C'est vrai qu'on pourra toujours dire qu'il y a des choses plus importantes que le football. Et nous allons tout de même commencer par l'hymne Brésil. Grande Marseillaise à l'occasion de cette 16e finale de la Coupe du Monde, remarquablement chantée par les chœurs de la garde républicaine et repris par tout un stade. C'était vraiment très très beau et très très émouvant. Le geste est pratiquement normalement et il pensait que c'était une juste. Loin devant pour Guivarch. Allez, nous en tombant, il est. C'est bien joué. En tombant, il s'est jeté. Zidane, bien joué de la part. Oh, que c'est beau! Allez! Guivarch! Ah, en bout de course, Stéphane Guivarch. Il a pris un coup également et il n'a pas bien pu frapper ce ballon. Alors qu'au départ, il y avait un excellent, remarquable et tout à fait. Chez Leonardo. Leonardo qui va remettre au centre. Sortie de but, a dit le juge de touche. De 300 mètres carrés alors qu'on va suivre Djorkaeff qui l'a mis au-dessus la balle de la tête sur ce coup franc de Zidane alors qu'il avait une bonne occasion. On revoit ici au premier poteau de Saï. Ah, okay. Deschamps, il a les jambes, il a retrouvé ses jambes. Allez Yuri Djorkaeff, une frappe à terre, il était un peu loin, oui, un peu loin, alors que but de conviction. Roberto Carlos, c'est au-dessus. Oui, et heureusement qu'il a manqué, car vous avez vu le nombre de maillots jaunes. Plié côté gauche face à Thuram. Beau duel. Oula. Oh là, la fabuleuse prise de balle. Extraordinaire. Leonardo. Il est bien frappé, il est très bien frappé, il est superbement. Et il est bien stoppé. Arrêté par Fabien Barthez, heureusement. Quel bon coup de tête. Sur ce corner de Leonardo. De France. Quand on est rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Zidane. Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête magistral et ouvre le score alors que l'on joue depuis 27 minutes. Corps sur l'appel de balle. Et sortie de Barthez. Il y a eu du grabuge sans doute. Il y a eu du grabuge entre Ronaldo et Fabien Barthez. Oui. Faut sortir ces ballons. Ronaldo est au sol. Oui, et Dunga va. En disant tout. Mais disons que c'était une sortie tonique du gardien de but de l'équipe de France. Oui, et devant Ronaldo, le crochet, il est allé plus vite que Dunga. Ah, il était en bout de course sur cette frappe pied gauche. Il n'a pas pu armer son tir de la face. Leonardo, deuxième poteau. Et la tête de Bebeto, mais elle est trop molle pour inquiéter. Cafu, Leonardo. Ah, il a recherché Cafu, il a trouvé Lizarazu. Petit. Eh oui. Et le pied droit d'Emmanuel Petit. On a créé l'instant. Il y a des filets qui ont tremblé, mais du mauvais côté. Oui. Avec une. Devant pour Stéphane Guivarch. Oh, qui s'est troué. Il est passé. Oh là là, c'était la balle de 2-0 à la 45e balle minute. De 2-0. Oh, quelle balle de 2-0 alors que. Oh. Oui. Djorkaeff. Et but. Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait, il y a eu deux corners et c'est le doublé de Zinedine Zidane juste avant la mi-temps, l'équipe de France. Et il y a un petit mur, il y a Roberto Carlos, elle est frappée. Elle a été ce sera un corner. Dévié par la tête de Didier Deschamps, me semble-t-il.
Attention, attention, très important. Allez Fabien, il faut y aller. Il est allé des deux points. Il a été chargé par César Sampaio. Et c'est fini, c'est la mi-temps. Mi-temps. Et qui l'eût dit, qui l'eût cru, la France mène 2-0. Deux buts de Zidane au 27e et 45e minute. Bien négocié cette deuxième période. Et pour atténuer les propos de Guy, qui sont toujours pleins de bon sens, je dirais que sur le premier but, les Français n'ont pas tué le Brésil, mais qu'ils les ont sérieusement blessés, car... Son écart, il peut centrer pied gauche. Ronaldo. Oh, quel arrêt ! Quelle parade ! Quel arrêt ! Quelle parade de Fabien Barthez sur ce tir de Ronaldo. Deschamps. Même rôle, sans doute pour les deux hommes. Roberto Carlos, il est sorti. Oula, De Beto. Oh, et ballon mis en corner par Marcel Desailly. Bien revenu. Et bonne tête de Rivaldo, mais sans problème pour Fabien Barthez. Elle va être bonne cette balle, elle est bonne. Elle est bonne, Stéphane. C'est pas vrai. C'est pas fini. Bogossian, voilà, elle passe largement au-dessus. Et le changement. Mais quelle était belle cette dernière occasion. Même si ce ballon. Oh, attention. Il est exclu. Deuxième faute pour Marcel Desailly. Merci. Et à la juste la... La tête de Thuram, c'est pas fini. Denilson frappe à côté. Et au-dessus. Et il est en train de réfléchir. Il est en train de réfléchir, mais à savoir s'il fait les Français. Tension extrême, tension énorme. Patrick Vieira. Remplacé par le numéro 4. Là encore, un des grands espoirs du football français. Patrick Vieira. Fabien qui... Bon. Côté vers Dugarry. Ah, c'est bien joué. C'est superbement joué. Allez, un lob. Aïe, je vais en casser le téléviseur. Oh là là, ça fait trois fois. Surtout qu'il l'a mise en touche à la main. Dangereux. Denilson. Dangereux, au-dessus de la transversale. Elle troll la transversale. Oui, je crois qu'elle a touché le dessus de la transversale. Thierry, la frappe de Denilson, elle il est en train de le fermer. Mais elle fonde dans l'axe. Rivaldo, frappe de loin, ça dit. Il a voulu sauver le corner, mais il a. Petit. Et but. Et troisième et but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute du. Et c'est fini, l'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, deux buts de Zidane, un but de Petit. Pour la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, commenter et liker. C'était Rad Game, à la prochaine, bye, tchuss.